qu'au premier dans Kamegen. Il n'y a pas de son métier dans la vie. Faut bosser. Faya. Au bon souvenir, au temps de soulé. Beaucoup de sous, au temps de coulé. Pas de pomme, au temps de soulé. Ça va pousser, pousser, au temps de soulé. Peut-être bien, au temps de télé. Personne peut plus au temps de soulé. Allez, capricieuse. Ah. Il faut que tu... Ah, ah, ah. La fleur, la fleur, la fleur de ma vie, la fleur de mon âme, la fleur, la fleur, la fleur de Hakim. Hakim t'aime beaucoup, Hakim love you, Matiwa Melissa. Mon congo. Oh là là. Juste rester tranquille de tout, sois posé. Tu sais, tu es ma lumière. Allez, viens là. Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Allô, ma. Je voulais te dire que c'est derrière le téléphone. Oui, c'est derrière le téléphone. Je suis au quartier Bambambé. Ok. Depuis qu'elle m'a dit qu'elle était au quartier Bambambé, il y a déjà 20 minutes. Elle dit que où est? C'est que quoi comme ça? Maman! Mais depuis que tu m'as dit que tu étais au quartier Bambambé, tu me fais attendre. Oh, c'est pas gentil. Maman, c'est le téléphone que venait te montrer. Qui a donné un si joli téléphone? Tonton Boris au Canadien. Boris au Canadien? Il est au pays? Masse. Même m'appeler, il ne m'a pas appelé. En tout cas, c'est joli, c'est bien. C'est un homme gentil, Boris au Canadien. La gentillesse de ce garçon a dépassé le niveau d'un fleuve. C'est bien ça. Sinon, comment tu vas alors? Moi, je vais bien. Mais tu sais que papa le Épargne-moi avec les choses de ton père. Tout ce qui concerne ton père, il ne veut rien savoir. Je ne suis plus avec ton père. Il a pris sa route, j'ai pris ma route. Et je ne veux même pas moi connaître ce qu'il fait. Donc si ton père a n'importe quoi, garde ça là-bas pour vous là-bas. Ne me dis rien. Ma fille, tu n'es pas fière de voir ma mine comme ça. Il a repris sa vie, j'ai repris ma vie. C'est vrai que moi aussi j'ai les petits soucis, mais ça va. Non, ma fille, je ne veux même pas connaître ce qu'il fait. Je ne veux rien connaître de ton père. Je ne veux pas vraiment garder ça là-bas pour vous là-bas. Moi, je veux rien savoir. Non, ton père a fini avec les grimaces. Tu marches avec le jardin d'Abyssi, ma fille. Tu sais que c'est pas normal. Tu es déjà une femme. Et tu dois savoir protéger ton corps. Avec ça, n'importe quel voyou peut tomber derrière toi. Et c'est pas bien avec notre situation. Mais sinon, tu m'as manqué. Viens embrasser ta mère. Toujours capricieuse, ma petite fille chérie. Ok. Le temps est en train de passer. La maman il m'a donné le paquet, sinon il voit que ça peut plus t'aider. Cette amie n'a plus besoin des choses de jeune fille. Derrière bébé, derrière mon amour, derrière. Je vais partir voir Sophita, c'est toi qui m'as traîné ici. Tu veux que j'aille voir Sophita? Au téléphone, non ma fille. C'est bien comme tu as le téléphone, va souvent me causer de temps en temps. Dépêche-toi. Ne rentre pas tard à la maison.
Entrez. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, Chanson. Que puis-je faire pour vous? J'ai eu un problème avec ma mère. Oui? Oui. Oui. Elle dit qu'on avait commencé par bas. Et c'est parce qu'elle a tensionné jusqu'à se retrouver loin ici. Alors que j'avais l'intention qu'on tue ça. Mais je suis surprenant qu'elle est venue ici. Écrit. C'est quoi le souci exactement? C'est quoi? Vous parlez de quel dossier? Elle a écrit ici sur moi. Qu'est-ce qu'elle a écrit sur vous, monsieur? Je suis rentré qu'elle a laissé le document à la maison. Ah, vous parlez d'une convocation? Oui, convocation. C'est vous? Mais regardez comment vous passez une convocation. Monsieur, on vous donne un document comme celle-ci, vous froissez pour revenir avec au poste. Est-ce que vous savez que c'est passé d'une peine de prison? Mon père, j'ai même voulu plastifier. Mais comme on est en pleine saison de pluie, j'ai encore laissé. J'ai voulu plastifier. Oh. Ah, c'est bel et bien vous, monsieur, un défaut. Oui, c'est un défaut premier. Défaut premier. Ah, monsieur Dufour. Donc, on vous donne une convocation et vous décidez de venir quand vous voulez. Je vois que c'est bel et bien écrit ici que vous deviez être ici depuis hier matin. Vous choisissez votre jour que vous allez venir. Vous voyez qu'on a un travail pour vous, monsieur. Je croyais même que c'était jusqu'à lundi que je devais être là. C'est la fin. Parce qu'il y a une ligne là que vous avez écrite. Comme vous étiez, si vous étiez docteur là. C'est l'enfant qui a pris ce matin avant de me faire les péages. Et en plus, regardez comment vous débarquez au poste de police. En barouche, vous croyez où, monsieur? Vous ne pouviez pas vous laver et vous aviez bête les fermiers avant d'arriver sur le poste. Demi, je m'étais les fermiers en fait de prendre comme ça. J'ai marché l'ongle, j'ai frappé l'ongle sur le poteau. Votre carte d'identité, monsieur? Ma carte. Vous n'écoutez pas ce que je dis, monsieur? Je sais que je vais même vous expliquer ça comment. J'ai fait la carte. Quand j'ai fait la carte, il y a d'abord le premier truc qui est sorti, le récipient. Le récipient? Oui, quand le récipient est sorti. Après, je me suis battu. Vous cherchez comment vous faites pour que le pauvre sorte. Le pauvre n'est pas sorti. J'avais donc pris le récipient là. J'ai donc prié. Comme là, vous êtes de pointe comme ça, tu peux. C'est un truc qui peut nous échapper. J'ai donc prié ça. J'ai mis sur la cloche qui n'est pas ici. Pas moi, j'ai cliqué comme ça. J'avais un truc ici que je mettais. J'ai donc mis là. Où ça fait comment on? C'est comme si j'ai raté le trou d'ici. Ça s'est retrouvé entre mes cuisses. Soit c'est la chaleur qui a fait bien transpirer. L'eau est donc descendue comme ça. C'est retrouvé ici. Ça a mouillé dans le récipient. J'ai pris donc les déchets là. J'ai sécurisé ça à la maison. Comme la maison est charançonnée par les cafards ont fait les va-et-vient. Au point où moi-même je ne sais plus où ce déchet là que j'ai mis, il ne me retrouve. Monsieur, vous aviez une carte ou vous n'aviez pas de carte? J'en avais maintenant, je n'en avais pas. Monsieur, arrêtez-moi ça. Comme je vous explique là. Et concernant cette affaire de moto, je vous. Pour vous dire vrai, j'ai porté quelqu'un. Il m'a d'envoi avec le pain. Ils ont pris la moto. J'ai dit comme ça que si même Dieu, Jésus-Christ qui est. Oh Dieu, Jésus-Christ qui est. Nous ne sommes pas à l'église ici, nous sommes dans un commissariat. Est-ce que vous savez que ce que vous faites là, c'est pour abus de confiance? Je sais, chef. Une dame vous donne sa moto. Elle ne revoit plus sa moto et la recette même de la semaine, elle ne reçoit plus rien. En fait, voici la plainte. Voici la plainte, tenez, voilà votre dossier. Hé, monsieur, vous pliez quoi? C'est pourquoi je. Vous êtes même normal, vous pliez, c'est ça, en vertu de quoi? Vous pouvez faire ce papier? C'est votre plainte? Vous pouvez vous lisez ce qui est bien écrit là-bas.
C'est quoi? Vous avez du mal à lire. Pourquoi vous regardez ça comme ça? C'est que je me mets sur la première ligne. Ça prend 3 lignes au même moment. Ça me... Je vous ai expliqué que j'ai les yeux qui tendent. Donc je peux commencer sur la première ligne comme ça et voilà, tout le temps vous nous lire la quatrième ligne. Ce que l'on va faire, c'est quoi? On va vous mettre au couloir. Vous n'allez pas rentrer en attendant la dame. La dame arrive. Monsieur, je suis en vous mentir. Je suis quelqu'un qui est allergique à la chaleur. Si j'entre là au couloir, les tubes vont sortir sous mon front. Si je peux attendre à l'entrée. Monsieur, où vous croyez dans votre chambre ici? Où vous allez nous dire ce que l'on a fait? Vous n'êtes pas dans votre chambre. Vous parlez de chaleur, mais c'est vous qui avez le gros buisson sous vous. C'est le climatiseur naturel. Le climatiseur naturel. Vous allez aller là au bout derrière, au couloir là. Vous me suivez? Okay. Et on va attendre la dame. Et elle va venir, on va trouver une solution par rapport à votre situation. Mais sachez que vous ne pouvez pas quitter d'ici sans qu'on ait une solution par rapport à sa moto. Parce que ça, c'est toujours les plans que vous avez l'habitude de faire, même souvent pour partir avec la moto des gens. On vous fait confiance, mais vous vous comportez toujours comme des idiots. Je peux contacter vos mains un peu. Je peux m'envoyer un cœur. Allez-y, vous pouvez vous tuer. Depuis le début, vous n'avez pas pensé à contacter le maire. Vous voulez tuer quoi? Que vous mouillez votre tête. Vous voulez mouiller. Vous ne savez pas, vous êtes en train d'aggraver votre cas. Ça, c'est tentative de corruption, hein, monsieur. Vous suivez bien. Nous sommes ici pour appliquer la loi. Donc je ne veux plus entendre ce mot de votre bouche. Allez là au couloir. Laissez la chaise ici, mais vous croyez là? Bien même normal. Asseyez-vous là. Et vous retirez votre truc là sur vous. Au sol. Asseyez-vous au sol. De faux premiers dans Kamegen. Il n'y a pas de son métier dans la vie. Faut bosser. Faya. On peut soutenir au champ de soulé. Beaucoup de sous au champ de coulé. Pas de pomme au champ de soulé. C'est pas possible aussi au champ de soulé. Peut-être bien au champ de télé. Mais ça peut plus au champ de soulé. J'ai l'impression que tu as peur. Ben, c'est quoi? C'est juste que je suis pas habitué à entrer dans les choses comme ça. Oh là là, sois relax, tu es avec moi. Allez, viens, d'où viens. Viens là. Viens dans mes bras. Viens. Vas-y. Tu sais, je t'aime. Tu es comme la guitare que petit pays, ou quand même, a utilisé dans Maria. Oui, à Mélissa, oh, I love you. Elle s'appelle Mélissa. Mais moi, je t'appelle Mélichou. Bisous. Toi aussi, allez. Allez, capricieuse. Aïe! Il faut que tu. La fleur de ma vie. La fleur de mon âme. La fleur de Hakim. Hakim t'aime beaucoup. Hakim love you. Ma diwa Mélissa. Mon komu. Ouh là là. Reste tranquille, Dado. Sois posé. C'est sur ma lumière. Allez, viens. T'inquiète pas, c'est moi. C'est Hakim. Reste posé. Allonge-toi. Mais Dado, c'est quoi? Voilà. Ma lumière. Tu fais quoi? Non, t'inquiète, viens, c'est pas grave, t'inquiète. Allonge-toi, lui. Vas-y.
Chérie, donne-moi quelques secondes, s'il te plaît. Hein? J'arrive. Bisous. Chérie, je viens. Monsieur Masanga. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi, boss? Je constate que tu as laissé seulement 3 balles. 3 préservatifs. Et c'est comment? C'est la nouvelle année, les consignes du patron. Il a demandé qu'à partir de janvier 2024, c'est 2 préservatifs par salle, que ce soit nuitée ou sieste. C'est 2 balles par chambre. La sieste, c'est la sieste. C'est quelque chose d'une minute. Vous demandez jusqu'à 3 pour quoi? 2-3 même, c'est une erreur que ce soit comme ça. Masanga. Oui? Vous êtes sérieux là? Monsieur, l'ordre vient d'en haut. Hein? Monsieur Masanga. Oui? Tu as oublié mon chemin. Je travaille au rythme du patron. J'ai un patron. Ouais. Il y a les notes partout là écrit. Il a dit ça, il a mis là. Laisse-moi les histoires du patron. Moi, il ne veut pas m'entraîner. Il veut jouer. Les 3 là sont trop petits pour moi. Tu les trouves. C'est quand même moi, Masanga. C'est comment? Mon boss? Je suis là pour ça, hein. C'est encore quoi? Tu peux m'ajouter même seulement 5. Mais ça fait 8. Moi, je pars toujours à 10. Tu connais, non? Tu fais comme si tu es nouveau. Tu connais mon chemin, non, monsieur Masanga? Moi, je veux, pas m'entraîner par monsieur Masanga. Pas Masanga, je ne suis pas fier de toi. Monsieur Sando, s'il vous plaît, venez. Oui. Oui. Vous savez, les instructions du patron 2024, année 2024, demandent que les femmes fontaines doivent se faire signaler. Monsieur Masanga, vous avez oublié que les femmes fontaines sont des diamants dans le pays. C'est recommandations du haut. Ah, les autres viennent du haut. Oui. Donc désormais, si j'attrape une, je marche une fois avec le sou. Dans tous les cas, c'est piqué. L'impite. Celle-ci va voir avec le drap d'autrui. La femme pisse sur nous. T'as ta chance que je suis en plein chantier. Tu ne connais pas sous-autre.